C'est la deuxième manifestation d'envergure à Paris contre le mariage pour tous. Depuis celle du 13 janvier dernier, le texte ouvrant le mariage et l'adoption aux personnes du même sexe a été adopté à l'Assemblée nationale. Mais ses opposants ne désarment pas. Non au guestrémisme, on veut du boulot, pas du mariage homo. Nouveau slogan à 10 jours de l'examen du texte au Sénat. C'est l'heure des sénateurs, ce sont des législateurs pointus et ils peuvent tout à fait voir que dans ce projet il y a des tas d'aberrations et des tas de complications ingérables pour la société. Nous leur demandons de prendre leurs responsabilités. Nous pensons qu'un homme et une femme se complètent et que si un enfant est élevé par deux hommes ou par deux femmes, évidemment qu'il sera aimé, évidemment qu'il sera bien élevé, mais il lui manquera quelque chose de fondamental pour son évolution. En janvier dernier, le non au mariage pour tous avait rassemblé 340 000 personnes selon la préfecture, 1 million selon les organisateurs. Ils espèrent mobiliser autant cette fois et redemander à François Hollande de retirer le texte ou de le soumettre à un référendum. Fais plein de vidéos, fais plein de vidéos.